BBC Matin. C'est l'invité de BBC Matin, Monseigneur Laurent Monsengwo, l'archevêque de Kinshasa, figure parmi les 8 cardinaux sélectionnés par le pape François pour l'aider à préparer une réforme du gouvernement de l'Église. Il revient avec Olivier Weber sur la situation politique en RD Congo et les travaux de ce groupe des réformateurs. Pour travailler à certaines réformes de l'Église, je suppose que les travaux commencent tout de suite, puisqu'on dit que le Saint-Père reste en contact avec ce groupe. Notre première réunion aura lieu le 1er, le 2 et le 3 octobre. Donc on parle de réforme dans l'Église. Est-ce que vous avez déjà identifié des dysfonctionnements au sein de l'Église? Mais les dysfonctionnements, il y a certains problèmes qui se posent, mais ces dysfonctionnements ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. On sait que, par exemple, la machine de la curie est trop lourde. Il faudra voir comment y travailler. Mais je vous dis que le programme du travail nous sera donné par le Saint-Père et d'appel. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Église catholique a été très critiquée pour sa gestion de certains scandales de pédophilie. Est-ce que, selon vous, elle a tiré les enseignements? Le pape Benoît XVI a beaucoup fait pour combattre tout ce qui concerne la pédophilie. Les mesures ont été prises, des mesures même sévères. Par exemple, il a envoyé une lettre que nous connaissons tous à l'église d'Irlande. Nous connaissons tout ça, mais malheureusement, les gens oublient ce qui se fait et ne retiennent pas beaucoup tous ces détails. Je ne pense pas que l'Église n'ait rien fait pour condamner la pédophilie, condamner les personnes qui se livrent à cela. Autre débat de société, au moment où plusieurs pays dans le monde ouvrent le mariage aux personnes du même sexe, et alors que l'homosexualité est souvent réprimée dans beaucoup de pays d'Afrique, quelle est votre position sur la question ? Vous me posez là tout un tas de questions qui ne concernent pas la réforme de la curie, ni de les former dans l'Église. Ce sont des problèmes qui seront peut-être abordés, mais c'est certain que le mariage restera le mariage entre hommes et une femme. Le mariage est une union entre un homme et une Vous femme. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ça ne veut pas dire que nous allons suivre la mode. Tout le monde fait. Si vous le voyez bien, je peux vous poser une question sur la RDC. Près d'un an et demi s'est écoulé depuis l'élection présidentielle, dont le résultat vous aviez contesté à l'époque. Quel bilan tirez-vous de la situation politique en RDC actuellement? La situation politique en RDC, vous la connaissez. C'est un blocage dans cette situation. La situation, nous avons une crise actuellement que l'on doit gérer entre le gouvernement et M23, et nous connaissons aussi des difficultés qui ne sont pas encore résolues entre les pays et le gouvernement. Nous avons beaucoup de demandes qui se font jour. Les gens demandent effectivement qu'il y ait plus d'ouverture, plus de sincérité et plus de réconciliation entre les citoyens, parce que on ne peut pas se cacher la figure. Est-ce que vous voyez une solution à la terrible souffrance des populations dans l'est de la RDC, ou bien vous êtes pessimiste? C'est une situation, je crois que l'ONU a pris des mesures assez efficaces, des mesures qui empêcheraient que désormais vous écoutez Zapping Info Congolaise, que l'on appelle des groupes négatifs, puissent commencer la guerre à gauche et à droite. Mais c'est dommage qu'on ait choisi les solutions qui soient purement guerrières, alors qu'on aurait pu choisir des solutions qui sont plus conformes à la Constitution. Et enfin, l'annonce d'une brigade d'intervention de l'ONU dans l'est de la RDC, c'est le genre d'initiative qui vous paraît utile? Oui, il me semble qu'elle est utile, à condition que les gens soient sincères. C'était le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa. Il est